Ce dimanche 2 octobre 2022, jour d'adoration placé sous le thème « Ne craignez pas », le président de la Fondation Olang Iwosho nous a conviés à avoir une pensée pieuse en mémoire de l'apôtre Ezekiel Olang Onasambi que l'Éternel a rappelé dans la gloire il y a exactement 5 ans. Pour appuyer les efforts de relance de la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olang Iwosho, la nouvelle équipe dirigeante vient de lancer les opérations d'envoi et de retrait d'argent, une première à la COPEC UC. Les 25 ans du groupe des écoles bérées de la Fondation Olang Iwosho fêtés en septembre dernier ont permis notamment aux anciens élèves de Béré de s'organiser pour renouer le contact avec l'école qui les a formés. C'est dans ce souci que 2 journées portes ouvertes ont été organisées. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Ce dimanche 2 octobre 2022, jour d'adoration placé sous le thème « Ne craignez rien », le président de la Fondation Olang Iwosho nous a conviés à avoir une pensée pieuse en mémoire de l'apôtre Ezekiel Olang Onasambi que l'Éternel a rappelé dans la gloire il y a exactement 5 ans, soit depuis le 29 septembre 2017. Que chacun célèbre dans son cœur. Que chacun ait une pensée pieuse. Que chacun rende hommage à cet homme exceptionnel. Dans la sérénité. Pourquoi? Nous sommes en train de traverser des périodes très difficiles. Tout en sachant que l'Éternel est victorieux dans cette affaire. Pendant que nos bien-aimés dans tout le Congo Brazza ne peuvent pas depuis quelques semaines adorer l'Éternel dans leur lieu de culte. Comment voulez-vous qu'on célèbre ces 5 ans en faste? Célébrons dans nos cœurs. Un hommage dans la sérénité rendu à Papa Olangi à travers son message du 29 mars 2007 sous le thème « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas ». Pour que la promesse prenne corps dans nos vies en proie à 1001 combats, nous ne devons pas retourner en Égypte. Restons à Canaan, gérons nos combats et épreuves avec Jésus, persévérons et surtout ne craignons pas le roi des Babylones dont nous avons peur. Mon frère, ma soeur, de comment si mon bali? Là où tu es, il y a quelqu'un dont tu as peur. Oh, yo, banga. Il y a quelqu'un qui te fait peur. Ouais, bangi, il y a quelqu'un qui te fait peur. Ouais, bangi, là où tu es, dans ta maison, nanda konayo. Il y a quelqu'un qui te fait peur. Ouais, bangi, dans ta famille, il y a quelqu'un qui te fait peur. Bangi, dans ton boulot, na mosala, il y a quelqu'un qui te fait peur. Bangi, là où tu vis, il y a quelqu'un qui te fait peur. Ouais, bangi, même dans ton quartier, attends, na quartier na yo. Quelqu'un qui te fait peur. Mais ce soir, Dieu te dit, ne craignez pas celui-là qui te fait peur. La vie chrétienne est un chemin à sens unique. C'est un aller sans retour car derrière nous, l'Éternel a déjà remis les eaux de la mer Rouge à leur place comme pour nous dire « plus question de retourner en Égypte ». C'est lui ou celle qui tentera de rentrer savourer les concombres du pays de Pharaon le fera au péril de sa vie. Pendant que nous
Membre du conseil d'administration de la fondation Olangi Osho et chef de mission FOW, siège de Bruxelles avec son épouse, le disciple de Jésus, Papa Amos Musula, a adoré le dimanche avec nous à la Cité des Triomphes. Sur l'autel de Dieu, il en a circonscrit le contexte. Il y a une semaine, jour pour jour, Bongo, posso, mokoti, koleka, mokola, mokolo. On était avec Papa Alain, à Bruxelles, kuna na miki ya poto na Bruxelles, et on a adoré le Seigneur ensemble. Tonguma mela kinkolo elo. Et le Seigneur s'est glorifié. Na bongo kolo ami monisaki. Et voilà que, 7 jours après, botala sima, mikolo, sambo. C'est comme si je l'accompagnais ici. Eza lo kola nga na zo. Nous pouvons célébrer le Seigneur ensemble. Et pour moi, vraiment, c'est un privilège et de me retrouver encore dans ces lieux. Et je sais que notre Dieu a un plan merveilleux pour toi. Comme il a dit, ne crée rien. Ce Dieu-là a un plan merveilleux pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Acclame très très fort Jésus. Merci Papa Alain. Nous allons acclamer l'Éternel. Papa Amos. Papa Amos. Tu vas me le permettre, papa. Papa Amos, on coupe sa gagne là. Papa fête son anniversaire depuis hier. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa. Un séjour à Kinshasa à la source qui coïncide avec le 59e anniversaire de naissance du coordonnateur de tous les sièges européens de la Fondation Olangi Osho. Papa Amos Musula s'est dit très ému par la surprise qui l'attendait à la maison d'alliance. Je me disais, je suis en train de voyager à Kinshasa alors que pendant que je voyais, c'était le jour de mon anniversaire. Mais Dieu a prévu autrement, il a voulu que ce soit fêté ici à Kinshasa. C'est comme pour dire que nous avons de la famille partout. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Kinshasa, c'est toujours la famille. Même si on n'a pas fêté à Bruxelles, mais à Kinshasa, Dieu a permis que cet anniversaire soit fêté. Que Dieu bénisse Papa Alain et son épouse pour cette initiative qui me va droit au cœur. Merci. Membre de la promotion David du Centre Peniel Mondial Kinshasa, Papa Amos Musula et son épouse étaient parmi les très proches collaborateurs de Papa et Mama Olangi. Ils étaient souvent présentés comme modèles des missionnaires bâtisseurs ayant bien compris la vision du ministère. Elle a profité de son récent séjour missionnaire à Luanda pour relancer les journées des femmes de valeur de la CFMC en sa qualité de présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ. Ces journées ne se tenaient plus depuis 2020 à la suite de la fermeture des lieux de culte pour cause de COVID-19. Maman da Silva Olangi a donc réuni les femmes de toutes les promotions de la CFMC Luanda et celles qui sont aux affermissements pour leur rappeler leur mission en tant que femmes de valeur. En substance, elles portent sur le changement des lois établies de nos familles qui nous condamnent à la malédiction et à la mort. La messagère a pris le cas biblique des 5 filles de Tselofchad, dont nombre 27. Selon la loi, elles ne pouvaient pas hériter de biens de leur père après sa mort. Déterminées, elles sont allées plaider leur cause auprès de Moïse et l'Éternel a ordonné à ce dernier de changer la loi en leur faveur. Réaction des participantes. Mi edificó mucho. Yo tomé engagement que a partir de hoy
pour persévérer, pour continuer mes jours à suivre Jésus, à te alcançar minha vitória. Uma mulher de oração, uma mulher que andou no Espírito, que levou todas as suas cargas, seus problemas, seus combates com a oração e recebeu a vitória e teve o direito e também recebemos que temos o direito, a razão de viver a paz, de viver a alegria, de viver de vitória em vitória. Ele aussi nos a dit que la femme a razão. Donc, Tosana a razão. Même toi, peut-être que tu t'es condamné parce que tu dis que je suis une femme pécheresse, je t'ai impédi, que je... mais tu as raison. Tu as raison de crier, tu as raison de parler à Dieu parce qu'il est ton avocat. Le Saint-Esprit est là à côté de toi pour t'aider à parler avec Dieu. Tu sais, tu comme qui déjà na bolembu. En tout cas, tu comme un koti kabandaku, bana bazo sala pour servir papa. Yo, tu as la misala ko kende kote ka lelo penda zongi sibiso. Azongi sibiso pe ananzela ndenge sito lembaki toyeba ndenge nini ya kosimba banda ku ndenge nini to protéger ba mariage na biso. La journée des femmes de valeur a donc repris ses droits au siège de Luanda tous les mardis au site Siloé. Elle est, comme vous le savez, la plus grande activité de la CFMC dans la semaine. Autre activité spirituelle animée par Maman Da Silva Olangi pendant son récent séjour missionnaire en Angola, deux journées mixtes de prières. Elle visait à réveiller spirituellement plusieurs membres du ministère que l'ennemi a plongé dans la distraction. À la suite des victoires obtenues à mi-parcours, beaucoup ont oublié que les malédictions ont la dent dure. Ils ont perdu de vue la raison principale de leur venue dans ce ministère. Confirmation d'une messagère qui a corroboré le message de Maman Da Silva Olangi. Maman Da Silva Olangi a mis le chrétien combattant en garde contre la distraction. Elle a entraîné la descendance du roi Ézéchias dans une grande malédiction. Son fils Manassé a commis moult abominations avant de se retrouver captif à Babylone. L'aspect de la repentance de Manassé a retenu l'attention des participants à ces journées mixtes CFMC-CPM. Pour que Ézéchias, comme observe Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro, ele foi abençoado e protegido pelo Deus. E quando o filho dele, Manassé, veio reinar no trono, e aconteceu que Manassé não obedeceu ao primeiro Deus de Ézéchias. Manassé observou o Deus dos avós e aquele Deus destruiu a vida do Manassé até chegar ao ponto um rei foi preso na Babilônia. Quando Manassé retornou-se a Deus vivo e ali que Deus lhe libertou,
significa na nossa vida. Ponanga oye tushenga mingi zali pona kaya repentance. Manase malgré ma bébé à salaki, malgré botel ya bal ou ya montaki, tango ya ki na captivité na Babylone, ayeko comprendre esengeli azongela nzambe. Azongela nzambe na nzela repentance, pe nzambe asalaki makam malam. Revenons à l'Éternel de tout notre cœur et nous serons restaurés comme l'a été Manassé, roi de Juda. Avant de quitter Luanda, la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, est allée visiter le centre de formation professionnelle Béré, créé il y a quelques années par le juge Chéché Lopez, qui était un enfant de la rue. En reconnaissance au Seigneur pour toutes ses merveilles dans sa vie, ce jeune chrétien combattant a ouvert à son front propre ce cadre de formation où plusieurs jeunes viennent apprendre gratis pro deo un métier. Ils sont formés en make-up, coupé-couture, informatique, électricité, fabrication de fenêtres en aluminium, pâtisserie et autres. Maman da Silva Olangi a encouragé l'initiateur et toute son équipe. Donc ça veut dire que c'est l'amour que tu as de ton prochain pour na kosunga que batanga baye babaza la former le bébé baza la batu. Ou les bases en habitude à Kosenga Senga, Bazo Bango Moko, Babanasko, ou à partir de la formation Bakozoa, ce qui nous a massoni Bango, Bazana Batili Nabango, Bamsous Bazana Bassan de coiffure Nabango, Bamsous Bazaba pâtissier, Ponabi Kenzamo à Salaka. Akopa Molabango, le Kaka Bazadjan a volonté Wana, Yakoye Kola, Enzama Salibango grâce à Isika Bazo Futate, Domba profite, na Oyonzama Pese Bango, qui Bazo Futaminaval, ma profite de la connaissance. Comme ça plus tard, et qu'on aide Bango pour la vie. Retenez que le centre de formation professionnelle Béré travaille en étroite collaboration avec la mission de la Fondation Olangi Wosho à Luanda. Il envisage de tendre ses activités vers d'autres grandes villes angolaises. Et puis en plus de ça, qu'on soit matériel, qu'on puisse avoir cours. Pour appuyer les efforts de relance de la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olangi Wosho, la nouvelle équipe dirigeante vient de lancer les opérations d'envoi et retrait d'argent, une première à la COPEC UC. C'est depuis le week-end dernier que ce nouveau service a démarré. Les transactions se déroulent normalement, à la grande satisfaction notamment du gérant de la coopérative, le disciple de Jésus Joël Okonda. Nous appelons de tous nos souhaits que ces opérations puissent évoluer, que tous les membres du ministère du combat, du ministère chrétien du combat spirituel, que tous les membres de la Fondation Olangi Wosho puissent vraiment s'accaparer, s'approprier de ces opérations. C'est-à-dire que si quelqu'un a des parents, des frères, des sœurs à travers le monde, qui leur envoie un peu d'argent pour les subsistances ou pour une raison ou une autre, eh bien, je vous annonce que c'est déjà possible de pouvoir effectuer des retraits au niveau de la COPEC ici à la 17e rue Limété. Ce nouveau service fait partie des actions prévues dans le programme de relance de la coopérative Union et Charité, dont les activités ont été sérieusement mises à mal avec le rappel à Dieu du couple initiateur. Une réorganisation a été mise en place par le nouveau président du conseil d'administration, Papa Alain Gabriel Olangi, pour relever la coopérative. «
Les 25 ans du groupe des écoles Béré de la Fondation Olangi Wosho, fêté en septembre dernier, ont permis notamment aux anciens élèves de Béré de s'organiser pour renouer le contact avec l'école qui les a formés au primaire et au secondaire. C'est dans ce souci que deux journées portes ouvertes ont été organisées dernièrement dans l'enceinte de l'école à Béré Limété. Elles se voulaient un moment de conseil aux élèves par leurs aînés. Quelques anciens élèves présents ont donné leur témoignage, mettant en relief l'impact de l'éducation chrétienne reçue à Béré dans leur vie socio-professionnelle. Ils ont également insisté sur leur détermination à continuer à promouvoir les valeurs de la crainte de Dieu et du travail bien fait appris à l'école partout où ils seront. Ces deux journées portes ouvertes ont aussi permis à quelques anciens de présenter un programme de partenariat entre l'école Béré et une université de Casablanca pour permettre aux élèves de Béré qui obtiennent leur bac d'entamer leurs études universitaires au Maroc. Toujours dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du groupe des écoles Béré de la Fondation Olangi Wosho, les anciens sont allés dernièrement à Béré Ngaliema, une visite qui visait à honorer deux membres du personnel enseignant qui ont marqué leur formation et qui, contre vents et marées, sont toujours à Béré. Ces deux enseignants ont reçu chacun un brevet de mérite et un chèque. Occasion pour les anciens de rendre un hommage appuyé à tous ceux qui les ont encadrés à un niveau ou à un autre lors de leur passage à Béré Ngaliema. Nous travaillons dans les administrations publiques, privées. Et plus tard, on va vous amener peut-être des recueils et des témoignages avec les différents domaines que nous, les anciens de Béré, nous avons embrassés. Vous avez des gens de tous les domaines qui se sont intégrés, des comptables, des pilotes, les médecins, les domaines, même les domaines les plus extrêmes. Donc, je dirais même, il y a des écoles, je peux même dire à la limite, qui n'ont pas des pilotes. Mais nous, à Béré, on a des pilotes, mais qui travaillent dans les grandes institutions de ce pays. On a des gens jusqu'à la présidence de la République, des anciens de Béré, qui travaillent. Les responsables de l'école ont encouragé les anciens de Béré pour ces gestes de reconnaissance avant de se dire fiers d'eux. Nous sommes dans la joie, mais maintenant nous débordons de joie. Nous disons grand merci et à travers vous, nous disons aussi merci à la coordinatrice générale, ma mère Nisabé, que vous avez travaillé, à notre DG, à toute l'équipe. C'est par la ronde des quelques locaux de l'école que la visite a pris fin avec une attention particulière sur la salle d'informatique. Les anciens de Béré entendent formaliser leur structure pour un contact permanent avec leur ancienne école. Bon, nous, on prend nos notes, on voit et puis on a une vision.